Coucou tout le monde, je suis hyper contente et méga stressée de faire cette vidéo. Vous devez vous demander pourquoi une vidéo sort un dimanche sur cette chaîne, alors qu'il y en avait une déjà hier et mercredi. Mais je ne pouvais pas spécialement attendre de poster cette vidéo, et puis c'est pas vraiment une vidéo beauté ou quoi que ce soit, donc voilà, bref. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous dévoiler Enfin, je vais vraiment alléger mon cœur de ce poids qui me pèse et qui me pèse. Je mourrais d'envie de vous en parler, mais vous n'avez pas idée à quel point. Depuis l'été dernier que je vous cache ça, parce que j'avais pas le droit d'en parler. C'est tout, raison de confidentialité. Mais là, j'ai eu le feu vert, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir vous dévoiler mon gros projet secret sur lequel je travaille depuis l'été dernier, qui m'occupe beaucoup. Ça a été en partie à cause de ça que j'ai dû arrêter de bloguer parce que j'avais plus le temps et que je devais et que je voulais surtout m'y consacrer pleinement. Enfin voilà, j'ai changé pas mal de choses dans mes journées en fait pour vraiment bien m'y consacrer, parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais pleinement. Donc mon petit secret, c'est que depuis l'été dernier, j'écris un livre. Donc voilà, pour celles qui me suivent depuis assez longtemps maintenant, ou récemment, ou enfin voilà, tout court. Vous avez pu le voir à travers notamment mes facs, à travers les vlogs, puisque je l'ai mentionné à plusieurs reprises. C'était des questions et c'était un souhait de ma part. Mais jamais dans l'univers tout entier j'aurais imaginé que ça puisse se réaliser, que ça puisse m'arriver un jour. Vraiment, j'aurais jamais imaginé. Le truc qui m'embête quelque part, c'est que de nombreuses et nombreux youtubeurs, youtubeuses à travers le monde entier lancent leurs propres livres. Donc, enfin, je veux dire, il y a des romans, il y a des BD, il y a des bio, il y a des trucs sur la beauté, des DIY. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts et tout le monde. Et du coup, enfin voilà, quand une youtubeuse sort son livre, j'ai l'impression qu'on se dit, allez, encore une. Enfin voilà, c'est un phénomène de mode et du coup on n'est pas prise au sérieux du tout. Et c'est pour ça que ça m'embête, parce que moi, pour ma part, et je ne peux parler que pour moi, c'est vraiment un souhait depuis des années, c'est un rêve vraiment. Des rêves, on en a tous, j'en ai bien sûr, je suis comme tout le monde. Donc clairement, je ne le fais pas pour surfer sur la vague, c'est juste que quand on m'a contacté, une dizaine de maisons d'édition m'ont contacté cet été, c'était complètement fou, je ne savais pas où donner de la tête, je ne savais pas quoi dire. J'ai mis quand même 3 mois avant de me décider, de prendre une décision. Enfin voilà, ça a été très très long parce que je voulais pas me planter tout simplement, et que voilà, je voulais faire les choses bien et pas la vite et juste pour faire un livre, parce que bon, c'est un livre, je sais pas moi, c'est pas un blog, c'est super compliqué, c'est super long, ça demande beaucoup de travail et de temps, mais surtout beaucoup de passion avant tout, et du coup je voulais vraiment qu'il soit à mon image, et j'avais déjà une idée bien précise de ce que je voulais avant même de savoir que j'en ferais un. Je me suis dit que voilà, si un jour j'avais l'opportunité, ce serait ça que je ferais. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une fac, et à ce moment-là, je savais pas du tout que j'en ferais un. Donc là, j'ai pas du tout de visuel à vous montrer parce que moi-même, je n'en ai pas vu. Là, on travaille actuellement sur les finitions, la couverture, etc. Il est fini aux 3/4. Et justement, je voulais faire cette vidéo, donc déjà pour vous en parler, pour vous dévoiler le fait que j'ai écrit un livre qui va bientôt sortir, et aussi pour vous impliquer, parce que vous le savez, depuis le début de ma ligne de cosmétiques, j'ai toujours voulu, quand je le pouvais, quand j'avais les moyens de le faire, de vous impliquer d'une certaine manière dans tout le processus, par exemple pour le choix des teintes, etc. Et là, pour le livre, j'avais très très envie de vous demander plein de petites choses afin que ce soit aussi que vous ayez votre touche quelque part, vous impliquer, parce que sans vous, clairement, je sais très bien que je n'aurais jamais fait ce livre, et j'en suis mais vraiment plus que reconnaissante. Vous n'avez absolument pas idée à quel point ça me remplit de bonheur d'avoir ce livre, et vraiment c'est une énorme fierté, et vous pouvez pas savoir à quel point je me suis impliquée jour et nuit même, parce que vraiment ça a été un rêve éveillé tout simplement. Donc je prétends pas du tout être professionnelle, parce que je ne le suis pas, je ne suis pas auteur, je n'ai pas fait les études pour, ce n'est pas un roman, donc clairement, heureusement, c'est pas du tout mon métier, je laisse ça aux professionnels. En revanche, il n'y a que moi pour raconter mon histoire. Et voilà, et personne d'autre, et ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que ça fait 10 ans que j'ai déjà commencé à écrire, et j'aurais jamais pensé que voilà, ça allait être publié un jour. Donc ça va être publié aux éditions M6,
parce que j'ai eu un super feeling avec eux et que ça a été les seuls qui ont vraiment compris, cerné mon univers et compris ce que je voulais partager dans un livre. Donc dans ce livre, je voulais que ce soit un petit peu un guide pour toutes les filles, un guide pas seulement beauté, puisqu'il sera scindé en plusieurs parties. Donc la première partie, parce que je ne pouvais pas y louper, pour moi c'est juste impensable de ne pas parler un petit peu de ma vie, de mon histoire, parce que je vous en ai parlé que dans les grandes lignes sur YouTube, mais vous ne savez pas le reste, et je pense avoir beaucoup de choses à raconter. J'aimerais que les gens soient au courant de certaines choses qui se passent et que ce soit aussi une façon de relativiser sur la vie, sur tout un tas de choses. Et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien d'écrire sur ça, parce que l'écriture ça a toujours été un petit peu thérapeutique pour moi quand j'avais des périodes difficiles. Et du coup dans ce premier chapitre je vous fais part de mon histoire, de ma naissance jusqu'à maintenant, un petit peu tout mon parcours, tous les bons moments, les moments un petit peu plus difficiles, tout mon entourage, etc. Enfin voilà, plein de choses que vous ne savez pas, avec des photos, etc. Enfin tout un tas de trucs exclusifs. La deuxième partie, c'est la beauté bien entendu, parce que elle a make-up quoi, bien entendu. Donc là vous pouvez retrouver des tutoriels, pas mal de conseils, tout un tas de détails sur les différents produits à utiliser, ceux à éviter, des petites astuces, des petits trucs, le tout illustré. Enfin voilà, c'est pas un livre où il n'y a que du texte, je voulais que ce soit un beau livre, en fait, un bel écrin tout simplement. Et la troisième partie, vous pouvez retrouver également mes petites recettes préférées. En fait, je voulais que le livre regroupe tout ce que j'ai pu proposer durant ces 5 dernières années sur YouTube. Donc que ce soit un petit peu ma vie à moi, que ce soit toute la partie beauté qui est ma passion principale, mais aussi tout ce que j'aime à côté comme la cuisine, surtout parce que ce sont les vidéos les plus visionnées sur ma seconde chaîne, hormis les vlogs, ça ne rentre pas en compte. Et j'avais très envie de partager tout ça avec vous par écrit et sélectionner en quelque sorte les meilleurs moments et vraiment les trucs que je souhaite partager encore une fois pour celles qui les ont déjà vus, pour celles qui ne savent pas et qui le découvriront. Je vous ai dit que je voulais vous impliquer dans ce livre. En fait c'est tout simple, vous devrez juste vous poser une simple question, c'est quel sujet aimeriez-vous que j'aborde dans le livre. Donc je parle pas d'un gros sujet, d'un gros chapitre, juste l'histoire de quelques pages, juste qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le livre. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier, est-ce que vous avez des questions en particulier, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Donc pas nécessairement je sais pas combien de chats as-tu ou quelle est ta couleur préférée, pas des questions aussi courtes et un petit peu futiles, mais voilà quelque chose qui puisse me mettre vraiment, qui puisse me donner matière tout simplement, juste ce que vous aimeriez voir en plus de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'attends juste vos retours à ce sujet là. Donc le livre sortira au mois de mai et j'ai tellement tellement hâte, ça va être absolument absolument génial, il y aura plein de surprises par la suite, bien sûr j'y reviendrai en temps voulu, ça va être vraiment super et je suis vraiment, j'ai plein, j'ai les yeux qui pétillent, pour moi c'est pas juste un projet en plus sur ma liste, que j'aurais noté, ça c'est fait, non vraiment pas, c'est juste un rêve en plus et une expérience juste inoubliable parce que c'est pas donné à tout le monde et croyez-moi que je vais pas gâcher cette chance là et que je vais en profiter vraiment et vous en faire profiter aussi, puisque ma dernière surprise c'est que dans le livre il y aura une double page où je vais rencontrer une abonnée, donc on va organiser un concours dans cette vidéo même où je vais vous proposer donc de tirer au sort une personne avec laquelle je vais passer donc une journée, donc je vous dis pas où ni comment, ce sera la surprise. Et ce jour là il y aura quelques photographes qui immortaliseront un petit peu la journée et tout sera retranscrit dans le livre, ça fera une double page de cette petite journée, voilà, pour garder un chouette souvenir autant pour moi que l'abonné. Et voilà, je trouvais ça vraiment sympa parce que pour moi ça a toujours été important de vous impliquer dans toutes les choses que j'ai pu faire. Donc bien sûr la personne tirée au sort peut habiter n'importe où en France, le transport sera pris en charge et voilà, moi je serai là pour passer un moment privilégié avec toi, seulement avec toi, ça va être vraiment sympa. Et donc pour participer ça va se faire par mail, comme ça ça donne la chance à tout le monde, vous le savez. Donc je vous mettrai de toute façon tout ce que je vous dis là, ce sera récapitulé en barre d'infos, comme ça n'hésitez pas à aller voir, avec l'adresse mail à laquelle vous allez envoyer votre mail de participation. Donc un seul mail par personne, c'est tout.
Vous avez donc à compter de cette vidéo jusqu'au 5 février jusqu'au 5 février à 23h59 très précisément pour tenter votre chance. N'oubliez surtout pas d'indiquer vos coordonnées postales et votre numéro de téléphone dans le mail, c'est super important. Je vous renvoie également au règlement en fait de participation pour cette vidéo. Le règlement sera dans la barre d'infos. En plus de votre adresse postale et de votre numéro de téléphone dans le mail, il faudra répondre à cette question qui est toute simple. Me dire quand est-ce que sort le livre. Je l'ai mentionné dans la vidéo, je ne l'ai mentionné je crois qu'une fois, peut-être deux, mais pas beaucoup. Donc voilà, si vous avez été attentif jusqu'à maintenant, vous savez la réponse. Donc il suffira de l'ajouter au mail de participation. Et puis voilà, c'est tout simple, une personne sera tirée au sort pour passer une journée avec moi. On va beaucoup s'amuser, j'ai trop hâte, ça va être vraiment très très sympa. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous fera plaisir. Surtout n'hésitez pas à m'indiquer quel sujet vous aimeriez voir abordé dans le livre, et s'il y a des questions que vous posez et que vous souhaitez auxquelles je réponde dans ce livre, vraiment n'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup parce que j'aimerais beaucoup beaucoup avoir votre avis là-dessus. Donc sur ce, moi je vous fais plein plein de bisous, merci pour tout votre soutien et puis je vous tiens au courant en temps voulu. Voilà, bisous.